Salut à tous, on est le 16 mars, il est 13h30, je pars faire 2-3 heures de ski pour me changer l'esprit après avoir travaillé ce matin dans ma chambre d'hôtel. Il fait beau, vous voyez le soleil, avec quelques nuages qui arrivent, c'est mitigé, mais ça me va très bien. Demain je pars à Tokyo pour quelques jours, pour peaufiner mon travail du nouveau terrain que j'ai trouvé à Hokkaido et pour rencontrer des personnes. Et puis, après, voilà, il y a plein de choses. Vous aurez la suite des événements au compte-gouttes. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. J'en ai l'expérience, croyez-moi. Bonne journée à vous. Allez, c'est parti, je vous fais une toute petite séquence avec mon iPhone pour vous faire partager ce bonheur de nature. Bon, je peux pas aller très vite parce que je suis avec mon iPhone. Donc, hop là, c'est pas facile de contrôler. Hop là. Beau ça, cette nature, ces arbres, cette neige. Passage étroit. Alone, Antonstone, on a coupé ça, déjà. Un, pas chaud, encore, t'as chi. Un, ok. Matalonen. ありがとう! Vous voyez le pisteur là-bas qui fait signe. Un pisteur, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et j'en fais partie. J'ai une mission. Pendant que j'étais sur les chaises, j'ai vu un snowboarder perdre son snowboard. Et comme je suis le seul à l'avoir vu glisser, je suis pour mission d'aller le récupérer. Et bien voilà, le gars va venir récupérer son snowboard qui est là. Il faut savoir que le snowboard avait déballé toute la pente de tout là-haut à fond les ballons. Jusque là, c'est vachement dangereux.
Il aurait pu tuer quelqu'un.